Eh bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. En ce jeudi soir, c'est multi, c'est Satisfactory. Et donc, nouvelle session, on est arrivé à la quatrième session. Tiens, la mise à jour update 4. On va continuer le jalon. Donc, comment c'est le jalon qui concerne la production de pointe, les super moteurs. Et on a aussi un peu commencé un nouveau système, futur système de convoyeur circulaire pour passer le convoyeur central qui, au-delà du fait qu'il soit moche, montre très vite ses limites. Ok. On va tirer directement sur le jeu. Et bonsoir Vold. Bonsoir. Ta charge. Ok. Et donc du coup, on avait fini juste avant le cadre mollet renforcé. J'ai eu les 50. Et maintenant on passe. Milestone reached. Turbo motors can now turbo moteur peut maintenant être assemblé afin de construire les derniers bâtiments d'usines améliorées, tels que la foreuse MK3 qu'on a déjà. Une nouvelle partie du projet permet de passer à la phase suivante. Vers l'infini. Et le là. D'accord. Je suis complètement bugué. Même après avoir rechargé. Oui. Donc je disais que pour notre fameux projet, je vais s'en parler pour le stream. Ah, je dis qu'on prépare un convoyeur circulaire pour remplacer le convoyeur central qui a montré ses limites. Mmh. Donc je disais que... J'avais pensé à un modèle, mais que je vais légèrement le modifier pour... Et je voulais te présenter, te montrer une explication. Évidemment, c'est pas marché. Tu sais, comme je distribue sur de façon... Tu sais, comme ça va une connexion verticale... Tu sais, t'as les trous, ça va être le trou... Plus d'électricité. Plus d'électricité? Oui. Oh bah ça commence bien. Ok. Bon bah on commence. Après je sais plus c'est combien notre... C'est la merde. Ça je crois que peut-être le bâtiment de... Le bâtiment... De toute façon il n'y a qu'une seule raison. Hein. On était assez loin, hein. C'est que la centrale nucléaire s'est arrêtée. Décalage.
On a une production de 18 000, mais non. C'est pas logique. Ok, j'ai trouvé. Un des problèmes. Ma centrale nucléaire n'était pas raccordée sur le réseau. Je rallume une, ça fait aucun changement. J'ai bon, ok. Les autres sont bien connectés ou pas? Bah je vais raccorder le poteau central. Donc on dépasse bien la barre bleue. Ah oui, c'est... Oui, d'accord. Et combien qui étaient pas connectés? Bah toutes. Toutes? Aucune n'était connectée. Ok. Mais il y a quand même un problème, un manque d'eau. Parce que du coup, quand j'arrive, il n'y a plus d'eau. Je remets les hypertubes. Oui, tu pourras mettre des hypertubes du coup. On tournait que sur le pétrole du coup. Oui, mais... Je mets ma petite théorie si tu veux bien. Donc les centrales ne sont pas connectées. Mais du coup, elles fonctionnent dans leur petit coin. Oui. Mais les pompes eau sont connectées sur le truc central. Oui. Enfin, sont... Du coup, ça envoie de l'eau jusqu'à... Bah, à un moment donné, elles ont plus les pompes n'ont plus d'électricité, mais les centrales sont encore autonomes. Donc elles fonctionnent encore de leur côté, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau dans le circuit, et puis elles s'arrêtent. Vu que c'est deux réseaux différents. Ah, c'est-à-dire que c'est après coup, le temps que j'arrive, elle a déjà consommé toute l'eau. Et il y a un suitascope. Dans ce sens-là, là, c'est logique, oui. De toute façon, on voit bien que le truc est... C'est pour ça que je disais au début, ça faisait comme si qu'elle continuait à fonctionner jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau. Oui, mais là ça avait aucune logique parce que c'était censé être sur le même réseau. Ok, bon, du coup, plus de problème d'électricité. On produit plus que ce qu'on pourrait consommer au maximum. On a généré beaucoup de déchets pour rien, du coup. Parce que les centrales à nucléaire, c'est ça qui est drôle, c'est qu'elles tournent en rond, elles produisent tout le temps. Et à fond. Se régule pas. Ah! Viens. Je crois que tu vas faire raccorder. Bah non, sinon tu seras plus près que moi pour raccorder. Bon bah là. T'es dit à quoi ça? Ah non, c'est parce que t'as réussi d'enclencher. Enclencher quoi? Je viens juste de raccorder ça? Hein? Non, j'ai rien fait. Ça a coupé. Bah pourquoi ça a coupé? Alors oui, on consomme plus, du coup. Mais on est loin des trucs. Pourquoi ça fait ça? Le truc, il s'est rappelé que sur ce circuit, c'est... Oula, non, rien. Bordel. Ah! Collé! Donc le truc il s'est rappelé que quand il y avait ce circuit là ça c'était trop mais j'ai juste au moment où je l'ai raccordé ça a sauté hein. Euh...
Elle n'est pas sortie de l'auberge. Donc on devrait pas avoir de soucis. Bref. On pas avancé grand chose ce soir, j'ai l'impression. C'est même plus une impression à ce niveau-là. Surtout que chaque fois je pense sur un truc, je reviens sur l'autre. Non, parce que à chaque fois ça me fait chier que. Du convoyeur circulaire, c'est buggé. Mais j'ai fait des tests, hein. C'est buggé à un endroit précis. C'est à côté de la pente. Et je peux construire des convoyeurs plus loin. Ah, c'est la zone qui bug. Et à mon avis, il faudrait. On verra plus tard, mais il faudra supprimer cette zone qui est assez petite en soi. Hein, je pense qu'il y a un élément dans le coin qui me fait bugger. Il n'y a pas de raison, j'ai construit la première fois. Quand je suis arrivé, j'ai construit le truc d'un coup. C'est que. Je suis en train de réfléchir. C'est bon, c'est. On pense à un modèle de. Puis on voit que sur la réalité, ça ne fonctionne pas, c'est un classique. Pourquoi tu bouffes pas les plaques en fer renforcées? Ah, ça manque un peu de... Ça a jamais marché, ça veut dire? N'importe quoi. Ok. Ok. Qui marchait pas ? Bah oui, je dis pourquoi lui il est fou et l'autre les autres produisent pas. Bah c'est parce que c'était pas accordé. Mais oui, puis ça après. Hein. Mais c'est pas ce que je cherchais de toute façon, je cherchais l'étage des anciennes batteries. Tout pour les ordinateurs. Bon, là, ça manque vraiment de circuit. Le calculateur qui a besoin d'ordinateur. Ah, voilà. Donc c'est ici qu'on maintenant va fabriquer les fusées à propulsion thermique. Change générateur magnétique. Alors je sais pas pourquoi on l'a maintenant. Démarrage du stream. What? Oui. Ah bah je peux dire que la première heure j'ai déjà coupé au montage. Hein. Ouais. Même les deux premières heures. Par contre on a deux nouveaux trucs. J'ai vu qu'on avait débloqué le fusée à propulsion thermique. Et pas le générateur à champ magnétique. Pièce numéro 7. Ah oui, non, faut quand même commencer par ça là en plus. Il faut des batteries. Okay. Non, faudrait que je commence par celle-ci. Pièce numéro 7, pièce numéro 8 et. J'imagine qu'il y a pièce numéro 9. Ok. Donc qui s'articule en trois entrées et une sortie. Est-ce que je peux... Ah, je l'aurais bien mis sur le côté droit. Avec les mémoires de... Culture polyvalente, tige contrôle électromagnétique et batterie. On va commencer par le premier et puis... Culture polyvalente. Ici, il me faudrait des structures polyvalentes. Ouais, en plus, ils sont côte à côte. Je vais mettre quoi que. Hop, difficilement. Il est le plus bas entre les structures polyvalentes, les batteries, et le troisième, c'était. Je me rappelle même plus ce que je dois fabriquer en plus. Magnétique, mais. Truc refroidisseur, machin. Champ magnétique.
Quel est le plus bas? Ah tiens, je peux l'ajouter. Ah bah voilà. Quel est le plus bas entre la batterie, la tige et structure polyvalente? Je l'ai vu dans question pour un champion, c'était... Hein? Alors, les tiges, batterie, tige en dessous et... structure polyvalente. Ça, c'est vieux, ça. Quoi? Ah non, c'est amusé à la fin, en fait. C'est là. Ah oui, d'accord, ils sont vraiment dans l'ordre. C'est encore mis à l'envers, c'est ça. C'est tige en le plus bas. Donc le deuxième, ce serait... les batteries. C'est pour ça que j'envoie les batteries dans celui-là que j'ai focus. Partie tête à poil. Ici, batterie. Neuf. On voit le truc en pleine gueule, mais c'est pas grave. Au moins, c'est construit. Si. Ensuite. Celui-ci, j'envoie... voilà. Bon, je vais décaler un peu parce que sinon je ne vais pas pouvoir construire le groupeur. Je vais laisser partir du coup. Alors, c'est vrai que je fais une supposition que c'est le même circuit, mais bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Et bien sûr, dans le sol. Ok, ça marche très bien. Et donc, le dernier, il faudra. Structure polyvalente. Sur celui-ci. Ah, même. Ah, je vais avoir une sauvegarde. Ça commence à se superposer quand même, c'est dommage. Ici. Ah, je sais pas où je clique au moment de la sauvegarde. C'est qui? Là. Aïe, merde. Du coup, je me fais peur en même temps. Ok, et ben, ce que je pensais ne marche pas. Ah. C'est pas trop gênant, c'est juste que... tu sais, je t'avais dit que les convoyeurs du côté convoyeur circulaire, la connexion des petits convoyeurs sur le convoyeur circulaire se ferait dans un sens. Pas forcément. Parce que là tu vois, je fais une simulation en fait. J'ai mis l'extension sur le bâtiment et j'ai mis des connectiques sur le courrier circulaire et puis je fais des simulations. Tu sais, je connecte, je fais bon, après là le problème. Puis je vois que bah à un moment donné ça va se superposer. C'est pas gênant, c'est juste qu'il faut bien l'anticiper.
coup, bah ça, je fais un truc classique. Faut pas se prendre la tête, c'est un classique. Eh bien, bonsoir, Nassim. Et merci pour ton raid. Qu'est-ce que tu faisais de beau? Coucou. Raven. Ah bah, comme la semaine dernière. Et je suis sur Satisfactory comme la semaine dernière aussi. Ah, encore? Ah bah, décidément. C'est ce jeu-là qui donne mal à la tête, en fait. Salut, Vilain Croco. Du coup... C'est ça. Ok. Ça, je dois le remettre tout en haut. J'ai vu que papa aussi était sus. Pas super bien ce soir. Ouais, il a... J'ai vu qu'il a annulé son stream. C'est la soirée migraine. Bon, c'était une migraine. Ouais, donc ça aurait été dur de faire notre truc prévu à l'origine, alors. Oui, du coup, oui, les choses sont... bien enchaînées, on va dire. Ah. On s'est parlé, évidemment. Hein. Demain soir, j'ai prévu d'être malade. Ah, bon, ça tombe bien, parce que... Hop. Non, du coup, c'est plutôt bien goupillé. Merci, Ben. Oui. Oh, c'est... il fait un peu plus froid. C'est le temps. Moi, ça m'enrhume, hein, comme ça. Tac. Et donc, du coup, la prochaine, ça sera celle-ci. Je suis pas fan des convoyeurs en... Je pense que c'est pas une bonne période pour tout le monde ces temps-ci. Ah bah... Pour moi, en tout cas, depuis cette année, mes rhumes ont recommencé, donc... Encore? C'est pas des rhumatismes? Encore? Oui. Moi, c'est juste, entre guillemets, mon allergie. Tac. Du coup, c'était lequel? Non, j'étais un peu plus sur la droite. Si l'alignement te plaît pas trop, hein. Regarde-le une bonne dernière fois, il va bientôt disparaître dans un mois. De quoi? L'alignement de ce système-là? Ah oui, oui, d'accord, ok. T'es pas fan de l'alignement, ouais. Oui, non, mais oui, ouais, oui, oui, non, oui, non. Bon, on a compris. J'ai aucune difficulté à réfléchir, ça ne se voit pas du tout. Et c'est celui-ci que je dois connecter. Cible non valide. Bon, bien sûr, je peux le décaler un petit peu, hein, vu que tout va être enlevé. Ah! Il va m'embêter celui-là. Ok. Il faut que je fasse l'autre. Je l'avais un peu décalé sur la droite. Ici. Ok, c'est vraiment pas ouf. Mais on va s'en contenter. Et du coup, faut que je construise un séparateur. Hop. Logistique. Non, séparateur classique, du coup. Il va être emblé, mais ça c'est... Je me suis fait avoir encore en disant que c'était pas la bonne solution, que je vais partir dans un truc, et qu'au final, bah non, ça... Je retourne sur le même problème que j'avais découvert. Ah, ta nouvelle solution refait le même problème, t'as dit?
Mais oui, c'est, en fait, je t'ai parlé, mais j'ai oublié, donc du coup, j'ai dit, mais non, ça va être plus simple comme ça, c'est, en plus, c'est plus propre. Mais non, justement. Le truc simple, tu le penses tout de suite. C'est là que tu vois qu'il y a un problème. On va faire plutôt donc ce que j'avais dit. Pour incliner ça, j'en étais sûr. Et je peux le refaire celui-ci. À bonne hauteur. Comme ça. Il va être moins. Trop incliné. Oui, j'en ai plein de trop inclinés. Incliné de quoi là? Ma gueule? Oui, c'est peut-être trompé dans le message d'erreur. Je sais. Un message d'erreur mal traduit. Sur. Je vais faire un angle plus gros, plus sévère. Mais... Ah non. Je vais faire un angle un peu plus grognon. Ok. Non. T'as pas de problème d'inclinaison? Oula. Non, pour moi c'est. C'est juste une erreur dans le message d'erreur. C'est de page. Ok. C'est lent que ça lui donne. Vu qu'il est un peu tourné de mon côté, je peux toujours bidouiller comme ça. Mais... Ça peut être... Ouais. Ah. Allez. Ah là, David, beaucoup trop. Ouais, on peut pas mettre millimètres, hein, ça c'est... Si je descends sur le tuyau. Le millimètre. Parce que c'est... Oula, j'ai fait... C'est violent ce que j'ai fait par contre. C'est un peu trop. C'est pas le temps de décaler. Du coup, je dois orienter de l'autre côté. Oh, c'est beaucoup trop en fait là. Mais je vais tester quand même, on sait jamais, peut-être que ça passe. Voilà, dans le doute ça passe et puis voilà. Moment recherché. Ouais, mais là tu t'embêtes pas là. Non, tu peux te permettre de faire un. Ah, mais bon. Folie, si, Je peux faire des coups de folie, mais pour moi que ça se raccorde quoi. Parce que si ça se raccorde pas du tout. C'est sûr. Hop. À part des coups de folie où je détruis sans faire exprès une partie de du compagnon et que je me rends compte deux semaines plus tard. Ce serait idiot. Ça ne m'arrive jamais. Ne regardez pas dans la section clip. Ok. Ah, oh, petite récité. Vas-y, reviens. Bah de toute façon là je dois faire un nouvel étage de façonneuse, t'en avais déjà préparé un d'avance je crois. Façonneuse? Oui. Est-ce que tu as depuis l'update 4 t'en as touché les étages de façonneuse ou pas? Plusieurs fois oui. Enfin Ah, t'en as utilisé nous de... Là j'ai réutilisé celui-là qui était des batteries. Ouais, mais est-ce que t'en as utilisé des tout en haut? Bah écoute, hein, je vais voir de toute façon. Parce que de mémoire, j'ai pas refait de...
la façonneuse. Ok, donc une partie a été envoyée. On va voir si... c'est bien arrivé au bon endroit. Oui, nickel. Ok. Au-dessus, ce serait cool. Toc. Ça serait ouf. C'est une bonne... ah non, je crois que ça avait décalé. Peut-être mon chat qui se reset à chaque fois. Là. Ok. Du coup, je vais pouvoir enlever... effacer la liste. Et la nouvelle liste. X. Fusée, je crois. C'est ça. Qui, lui, nécessite 4 entrées. Donc, je vais voir s'il y a un emplacement de façonneuse de libre. Okay. Ah oui, non, c'est le... qui est à côté du chat qui bouge tout seul. Et qui se reset. Ok. Ah, je me suis payé plafond. Là, voilà, voilà. Pourquoi il y a ça sur le toit? C'est pour faire un câble électrique pour voler ou c'est... c'était sûrement pour utiliser l'over, voler un peu plus haut. Pour voir la base en hauteur avec l'over. Ouais, je peux pas plus haut. Ah, ça fait pas si grand que ça en fait. Quand tout le système sera fait. Bon, ça sera plus propre. Surtout, il fera plus petit et moins impressionnant vu que ce sera mieux fait. Déjà, j'essaie de faire un truc un peu RP sans que ça traverse. Et je me dis, vu que le truc circulaire, enfin, la façon dont il est fait, on pourra raccorder de l'autre côté aussi. Et faire des bâtiments à l'extérieur. C'est ce que je disais, ça c'est dans le cas où on considère qu'on pourra plus l'étendre. Je dis qu'il y avait pas... on était bien supérieur à notre capacité actuelle. Oh, tu m'as dit un chiffre qui faisait 72. Oui. On part sur un 160. 6 et 6, 12. Et 6, 18. Quoi, 4. Ah, c'est plus que ça, du coup. Non, 72, 3, 4, c'est ça. Et la même en tuyau. Donc 72 plus 18 au moins. Oh putain, je peux pas. J'ai pas de courant ici. Donc ce qui fait 90. Je pars sur un 160, donc. Bon, bah oui, large alors. T'es large.
Oui. Avec une possibilité d'extension d'un ou deux. Bah, même à 160, avec l'update 5, hein, c'est peu ce qu'ils rajoutent. Hein. Quand tu regardes là. Et dans le pire des cas, on pourra toujours vraiment, vraiment, si on est dans un problème, on pourra démonter, l'étendre par le haut. Oui. Et là, je vois déjà, ils ont rajouté un fluide, trois nouveaux composants là-dedans. Je ne me rappelle plus trop exactement. Ouais, on va mettre par update. J'ai pas l'impression que en un an de mise à jour, peut-être 10 convoyeurs en plus. Parce qu'il nous faudra quelques années avant d'arriver au bout de ce nouveau futur système. Ils vont faire du béton MK1, du béton MK2, du béton MK3. Ils vont mettre la gravité. Oh putain. Les objets sont. Bah, toute la base va s'écrouler quoi. C'est possible, hein. C'est Early Access, hein. Un gros changement comme ça, c'est possible. Mais... Ce serait abusé. Enfin, c'est... Non, mais c'est surtout que c'est. On a un petit problème de poids. Le moteur graphique, il va. Il va pleurer. Bref. Je détruis ton truc. Parce que du coup, faut que tu fasses un étage. Bah oui, du coup. On se retrouve avec. Un nouveau composant à faire. Et ce sont des étages de. YouTube. Peut-être utiliser ce qui est plus adapté. Oh, il n'y a plus de courant. Voilà. Des fondations toutes petites. Et ça fait 7. Oula. Ça fait... Ah bah, je veux dire, je vais avoir quelques ratés, plusieurs. De les enchaîner sur le titre. Okay. Ensuite...
gauche. Oui, c'est que du solide. Donc, oreille. Mur. Comme ça. Yes. Donc il me faut 3 façonneuses de production. 1, 2, 3. Il me manque du plastique. On va chercher du plastique. Bon sens. Par contre, faudrait que je prenne des points de mesure. Si je la fais de face, le pied est à droite du gris. Le gris. Et comme ça. Ok, on va essayer. Et c'est sûr. Est à droite. Pas l'air mal ça. Non, je pense que j'ai avancé d'un cran. Okay. Non, c'est bien. C'est bien. c'est bien. Nickel. Ok, je sais qu'elle est pareille. Tac. Là c'est 2, là c'est 4. Et t'as une 4. Ça se décale ça. Ah c'est pas le fameux truc qui fait placer le mur avant. Ah oui. On avait démonté un mur, on a obligé de redémonter. C'est possible. Dis quelque chose ça. Et c'est le même moment où on avait fait l'erreur de démonter le... l'ascenseur orbital, je crois. Non, j'ai dit on parce qu'on n'a jamais su c'était qui. Toutefois. Ouais. On sait pas, on n'a pas jamais su qui c'était, mais en tout cas, c'était pas moi. Que je peux le décaler d'avance.
chantier. Je vais faire étape par étape. Je me rappelle comment je faisais. Donc le premier est au sol, le deuxième comme ceci, le troisième comme ceci, le quatrième comme ceci. Ok. Du coup, ça se met à chaque étage. Mauvaise mémoire. Ah non, ça va pas. Ok, c'est deux crans de défense chacun. Tac. Un, deux. Tac. Un, deux, trois. Presque rappelé. Il faut mettre sans perspective. Trop loin. Trop proche. Trop loin. Je vais en chier celui-là. Et du coup, normalement, là, là, là. C'est aligné avec celui-ci. Tac, tac, tac. Ok, j'ai 4 accords. Du coup, j'ai pas le temps.
Oui, là, c'est... vraiment sur le côté. Loin encore. Éviter de bouger la souris, comme ça, ça me permet de tous les essais. Je peux abuser, là. Ok. C'est effectivement plus simple de faire comme ça. Ok, l'arrière c'est fait. C'est comment? Super éloigné ou super éloigné? Non. Proche, et du coup il se décale. Groupeur. Logistique. Une limace verte, c'est toujours ça. Oui. C'était un petit coin sur le côté, non, c'est pas grave. Hop. Ouais, non, si, c'est grave. Voilà, ça c'est direct. Ensuite sur la déco. Deux normaux de chaque côté, j'imagine. Deux normaux. Ouais. Et quadrillé.
c'est que j'ai filmé? Voilà. Et c'était ça. J'imagine que c'est le plus devant. C'est ça. J'aurais pu me faire éjecter. Hein. Maintenant j'ai capacité, je peux passer sur l'over. Donc. Allez, moteur modulaire, moteur turbo, système de refroidissement, cadre modulaire fusionné. Et vas-y. Comment je vais faire pour remonter ça? Je savais que, enfin, de mémoire la dernière fois, il y a quelques mois de cela, quand j'avais fini l'étage d'en dessous, je me dis c'est... Je ne pouvais plus faire d'étage. Donc là, techniquement, je ne sais pas trop comment j'ai demandé. Bon, je peux le faire à l'arrache, tu me dis, au plein milieu, tu me dis. Donc ça va changer plus tard. Moteur modulaire. En plus, ouais, c'est... Ils sont là. Bon, c'est parti pour faire mode moche. Oh, là c'était... Logistique. Ah, je peux avoir des lecs. Oh, ça peut être vachement bon. J'aurais dû le faire quand même plus près. Je vais faire n'importe quoi. Donc je m'aligne. Il va pas être facile à faire, à refaire ce truc là. Wesh. De quoi?
le bâtiment des façonneuses avec le nouveau système. Il y en a des entrées sorties. Ouf. Easy dans ta tête, c'est ça? Oui, c'est... Je cherchais un truc de un peu plus RP, pour éviter que les convoyeurs se chevauchent entre un immeuble et le convoyeur circulaire. Ok. Le modulaire, c'est bon. C'est peut-être turbo. C'est ici. Ah. Autre chose. Système de refroidissement 4 fusibles. Sur une... Bap, cadre fusionné, c'est celui-ci. Ah, les ressources. Bon, ça c'est encore autre chose. Ok. Moteur turbo. J'espère que j'ai pas supprimé les trucs qui sont derrière. De temps en temps, peut-être je fais une suppression massive. Sur masse. Des fois, je vois qu'il y a un truc qui passe rouge derrière. Ouais. Moteur turbo, système de refroidissement, système de refroidissement, ils sont... On va tout en bas. Hmm.
Sauvegarde. Non. Si. Faire n'importe quoi. T'as dit dans un mois c'est fini, hein, on a fait nouveau système. Mm-hmm. Hop, et donc du coup, les moteurs turbo pour terminer. Du coup, t'as une petite pause, hein, non? De quoi une petite pause? De quoi? T'as une petite pause de quelques minutes là pour venir quoi faire. Ah, non, j'ai pas dit j'ai terminé, hein. Oui, là je dis. Non, mais j'ai entendu que t'as terminé un truc. Ouf. Devrait avoir quelques ressources. Ok, nickel. Et on ressort du coup une nouvelle ressource. Ah oui, ça va être tendu là pour le faire celui-ci. Il faut que je le fasse ici. Bah, c'est mission impossible. Je serais pas le mettre. Allez, je trouve celui-là dessus. Évidemment, il est trop haut. Là, quelque part. Plus de passerelle.
Ah bah ok ça. Bon bah je fais mon cheminement et j'arrive. Il me reste deux emplacements de convoyeurs. Ouais, d'accord, ok. Le convoyeur central va être rempli avant la fin de ce que j'ai besoin. Donc effectivement, on va dépasser les 72 convoyeurs classiques. Ah, ouais, j'en ai loupé un. Putain, t'en fais comment? T'as eu de la place de mettre encore un truc Je sais pas ce que j'aurais fait. Du coup, j'aurais augmenté la hauteur. Non, je pense pas d'avoir la place d'en mettre encore un. Voilà, monte les hauteurs, t'auras un décalage au niveau de l'entrepôt pour les connexions. Oh, ça, c'est derrière, je fais ce que je veux après. Oui. Devrait arriver ici. Nickel. Alors, tac 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 tac, il serait ici. Non, pas si loin. Attends. Oh si, quoi, c'était pas trop mal en fait. Voilà. Ok. Tant que j'y suis, on va prendre un peu d'essence. J'ai vu que j'en avais plus beaucoup. Alors, du coup. Pas là? Ah non. Ah merde. T'es où? Ici c'est bugué. J'ai rien. J'ai là. Ça se voit non? Ok, non. Là tu vas cliquer sur des convoyeurs verticaux. Ah t'es l'autre côté. D'accord, bah attends, faut que je... T'as pas d'électricité pour aller jusque là. Eh ben ils sont tous ça. Mais t'as une échelle? Que j'ai vu, attends, quand même, bon, pas terrible. Ah, pas jusqu'au bout. J'arrive. Ah, attends, un trou là. Comment tu vas faire? J'ai décalé que selon deux crans. Déjà voir si ça pose pas trop de problèmes. Mais plus en fait,
coupure décale et... Donc là, j'ai fait une simulation de 21 connexions. 21. Enfin, 42 connexions pour 21 étages. Et on a combien d'étages ? Du constructeur. Là, on en a 17. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça alimenterait déjà tout le bâtiment. Donc l'idée, c'est que. Bah, quand même. Je pouvais faire des connexions directes, hein. Mais les conveyeurs se chevauchaient. Donc en fait, j'ai descendu les premiers, j'ai connecté les 7 étages suivants de façon normale, puis les 7 suivants, je les ai fait monter. Sans parler des... Au niveau du conveyeur circulaire, il y a aussi des connexions par le haut. Bah oui. Et j'ai voulu économiser un peu, quoi. Toujours en gardant ce système de... Bon, au début, j'ai quand même fait une entrée et une sortie, t'es... Après, j'ai fait que des entrées, je m'en foutais, parce que c'était pour le principe. Donc, là, ça se lit en hauteur, quoi. C'est l'étage 1, 2, 3... Je sais pas, je pense pas que je puisse faire mieux... Ça, tu vois, il y en a certains qui chevauchent, mais à un moment donné, voilà. Ah oui, bah, on pourrait ne jamais chevaucher, mais il faudrait les étaler. Et puis, en fait, je les ai poussés pratiquement au maximum. Tu vois, si je vais plus loin, je pourrais pas les connecter de aussi loin. En un coup. Mais voilà, ça fait pas. Ça paraît logique. Ça se chevauche. Et du coup, t'avais pas fait ça à l'intérieur Ça repousse d'un cran, non ? De quoi, ça ? Ouais. Non, c'est juste pour pouvoir mettre les groupeurs que j'ai fait ça. Ah oui, d'accord, ok, mais l'intérieur, ça reste comme d'habitude, ok. Mais j'espère que les connexions bug pas, justement, le fait que je mette des groupeurs. Évidemment, faut mettre toujours le même... J'ai mis toujours un groupeur, comme ça, je suis sûr que ça envoie pas des trucs dans l'autre. Ok. Et pourquoi tu mets un groupeur d'ailleurs et tu fais pas une connexion directe ? Parce qu'il y a un autre... Ah, c'est pour le décaler d'un cran, d'accord, ok. Ok. Ok, du coup... Okay. On va voir si ça pose pas trop de problème. Et donc à l'intérieur, t'as combien de distance hein ? Ah non, c'était un essai, c'est pas pile poil ce qu'il faut. Si, c'est 4. Si, c'est 4. Et avec 4 de distance, tu vas pouvoir tout raccorder, tout remonter. À 4, je suis à 28 étages. Ok. Donc là je pars sur un modèle de 28 étages. Oui, ça va. Pour 17. Oui, sachant que niveau constructeur, je pense pas que vers le endgame on a encore besoin de beaucoup d'étages, mais je pense que je suis large. Et vraiment, dans le pire des cas, on peut toujours faire notre bâtiment, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans le pire des cas, on peut faire un nouveau 17, bâtiment. 11 étages de... De libre. De libre. On est large. Et donc la dernière ligne sera connectée vers le haut. Par le haut, donc voilà. Oui. Donc voilà, pour ça c'est juste le modèle. Je peux laisser connecter, hein, de toute façon. De toute façon, ce sera comme ça que ça va être fait. Non, parce que l'entrée et sortie peut être inversée. Oui, oui, effectivement. On sait pas pour l'instant. Mais disons que le modèle, on peut le laisser là le temps de. De faire tout le truc circulaire, puis après on démontera, puis on mettra comme il faut. Juste de pas se réfléchir à nouveau en disant attends, j'ai fait quoi comme modèle déjà pour. Tu relances expérimental. Ah oui, je suis montage, j'ai fait que une ou deux lignes, pour être sûr. Et là, j'ai pas vu justement le problème qui est arrivé, c'est que quand j'ai voulu faire le deuxième étage, bah, ça a superposé le premier. Oui, ça fonctionne, mais c'est pas joli, quoi. Parce que ça traversait vraiment de part en part, donc... Donc, je pense que c'est pas dégueu le décalage que j'ai fait de 2 crans pour le... Pour le conveyeur circulaire. À voir maintenant ce que ça donne là-bas, oui. Mais comme le bâtiment est légèrement plus loin, ça pourrait...
potentiellement poser des problèmes. Ouais, parce que là, si t'as dit que c'était tes limites, distance des convoyeurs. Mais là, je pouvais pas. Là, tu vois, j'ai fait, à mon avis, pile ce qu'il faut. Là, j'ai aller trop loin, ça, ce sera encore plus con. Ça, ça... Et trop près, bah, ce sera un bordel. Genre là, toi, là, c'est, je pense, que c'est ce qu'il faut. Là. Et encore, je pars vraiment sur sur 28 étages. Oui, c'est large. Hein, t'es... là, j'ai. Non, je n'étais qu'un seul étage, là, je crois, depuis avec l'UD4.